Bonjour à tous et bienvenue à la 41e édition du Festival de Clermont-Ferrand. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la piscine Coubertin, dans l'émission Côté cours, réalisée par les élèves du cinéma audiovisuel du lycée Léonard de Vinci. Aujourd'hui, nous accueillons avec Inde et Elsa, Monsieur Frédéric Doison, qui est le réalisateur du coup de Hurlevent. Bonjour. Nous vous remercions d'être là. Merci à vous. Donc on vous propose de regarder la première minute de votre film ensemble, comme ça on pourra cerner un peu. Projet de ce court-métrage. Alors le projet, il est né. J'ai été inspiré en découvrant des travaux de poésie visuelle. Donc la poésie visuelle, c'est, je ne sais pas si vous voyez les calligrammes d'Apollinaire. C'est quand il dessine avec des mots. Et en fait, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Art Brody et qui avait accumulé tout un tas de typographies comme ça. Et moi, j'y voyais une espèce de bestioles abstraites comme ça, et du coup je me suis dit, ah mais ça, il faut que j'ai envie de voir ça animé. Ouais. Et du coup je me suis dit, bah tiens, je vais mettre ça dans un livre, du coup, comme un flipbook. Et puis le projet a de nouveau évolué quand j'ai imaginé qu'au lieu de faire un flipbook, donc le flipbook c'est les petits trucs pour enfants qu'on effeuille avec le pouce, mais que là ce serait pas effeuillé par le pouce mais par le souffle du vent. Et du coup, j'ai trouvé tout de suite, ça apportait une dimension assez poétique au film. Et voilà, c'est parti comme ça, de façon très improvisée et spontanée, autour de la poésie visuelle. Oui, parce qu'on remarque quand même une abondance de lettres et d'alphabets qui sont tous d'origines différentes et qui se combattent entre eux. Mais en fait, finalement, la question, c'est pourquoi les alphabets et pourquoi les combats, enfin... Alors, effectivement, c'est un film qui est constitué uniquement par de la typographie. Ouais. Donc, c'est que des alphabets. Et effectivement, vous avez bien vu qu'il y avait plein d'alphabets, donc j'ai pas pu mettre tous les alphabets du monde parce qu'il y en a beaucoup trop. Ouais. Mais on va dire l'alphabet latin, arabe, cyrillique, sanskrit, japonais, chinois, enfin j'en passe. Et du coup, en fait, ouais, qui évolue comme ça, qui se transforme et qui se bagarre. Et en fait, en utilisant là un peu les alphabets, on parle plus ou moins de nous les humains, des civilisations. Donc en gros, c'est quand on voit deux lettres, deux alphabets différents qui s'affrontent, c'est un peu des chocs de civilisation, entre guillemets. Voilà, des chocs de langage qui n'arrivent pas à se comprendre et du coup... ça crée des conflits, quoi. Qui créent des conflits, voilà. D'accord. Et ce qu'on a vu, c'est que les limites entre animation et film étaient... assez difficile à distinguer, on va dire, entre le livre qui était très réel et le dessin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'élaboration de l'image dans votre film ? Oui. Alors, en gros, j'ai commencé par faire mon animation donc, sur un logiciel qui s'appelle After Effects. Donc, c'est-à-dire, tout ce que vous voyez dans le livre, je l'ai d'abord animé sur After Effects. Donc, c'est-à-dire, voilà, toutes les petites les lignes qui se déforment avec le vent... les petites bestioles qui mutent, etc. Et ensuite, j'ai photographié en stop motion. Donc en stop motion, c'est-à-dire qu'on prend une photo et puis on bouge un petit peu, on tourne la page un petit peu, on prend une autre photo et comme ça, ça fait de l'animation. Et donc j'ai pris ce livre sur un fond vert. Comme ça, je pouvais incruster le décor que je voulais derrière.
J'ai fait de la stop motion, donc avec les pages qui tournent comme ça. Et après, j'ai incrusté toute mon animation sur chacune des pages. Et donc, c'était un enfer pas possible, je vous raconte pas. Ça a dû être super long. Ouais, ça a été hyper long. Et en fait, à la base, ce qui était marrant, c'est que je me suis dit, bah tiens, vas-y, j'imprime ce livre, quoi. Enfin, j'imprime ce livre vraiment page après page, sauf qu'en fait, j'ai pas réalisé que ça m'aurait fait un livre de 8000 pages. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai préféré plutôt le faire numériquement. Mais c'était une galère pas possible. Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi le livre comme support ? C'est une bonne question. Disons que, vu que je voulais parler, entre guillemets, avec partir du langage, je me suis dit, voilà, le langage, l'écriture, on le trouve dans les livres. Donc voilà, ça m'a paru être un bon support, un bon médium pour parler de, des langues, des civilisations, tout ça. Voilà. D'accord. Et pour revenir sur la réalité et sur le dessin, cette mouche donc on voit qui passe du réel à l'image, qu'est-ce qu'elle représente ? J'ai vu ça un peu comme une petite blague, parce que donc le narrateur c'est le vent. Donc si le vent souffle très fort, les petites bestioles elles s'en prennent plein la figure. Et si le vent s'arrête, l'histoire se fige. Et donc c'est le vent qui décide. Et donc du coup, un moment je me suis dit, tiens, je vais mettre une pause, le vent s'arrête et l'histoire se fige. Qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là avec les petites créatures qui sont complètement fixes, immobiles? Je vais mettre une petite mouche. Je sais pas, j'ai une idée comme ça d'une mouche qui, parce que la petite bestiole. L'acteur principal du film, on va dire, le personnage principal, la petite bestiole principale ressemble, elle me faisait penser un peu à une mouche pour moi. Et du coup, je me suis dit, il y a une mouche réelle qui va être en train de, qu'est-ce que c'est que cette autre mouche là, en fait, qui va être, une espèce de deuxième degré d'interprétation, deuxième niveau, c'était à la base, c'est presque parti d'une blague. Et donc j'ai dû capturer une mouche la mettre sur un fond vert. J'ai enlevé le gobelet, elle s'est pas envolée et puis elle s'est baladée comme ça sur le fond vert. Et du coup j'ai pu l'incruster sur le livre après en post-production. On peut faire tout un tas de choses avec les ordinateurs aujourd'hui. Et d'ailleurs pour rebondir sur le vent, pourquoi avoir choisi le titre Hurlevent justement ? J'ai découvert il y a les Hauts de Hurlevent, c'est un livre d'Émilie Brontë que je n'ai pas lu. Quand je suis tombé sur ce titre, j'ai trouvé ça hyper poétique. Le mélange de ça fait hurlement mais avec le vent et donc du coup ça fait tilt pour moi c'était j'ai trouvé le titre à la base, la première version du film parce que j'en ai fait tout un tas de versions. Ça s'appelait Storm et du coup je me suis dit Storm c'est un peu classique, c'est un peu, et Hurlevent je trouve que ça apporte une dimension un peu poétique au film, je trouve. Voilà. D'accord. Et donc pour revenir au cœur du film, par rapport au langage binaire, qu'est-ce que ça signifie ? Je dois dire déjà que le film s'est fait de façon très improvisée en fait. J'ai commencé le film, je me suis dit le vent transforme le texte, donne vie au texte, et puis il y a des petites bestioles qui en émergent, etc. Et puis à un moment, je suis resté bloqué sur qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et vu que ces petites bestioles en fait se prennent du vent en pleine face depuis le début du film. Elles vont se regrouper pour essayer d'en dégager quelque chose, une espèce de force qui va à contre-vent comme ça, et de là émerge une espèce de source, une source binaire de 0 et de 1. Le langage binaire, donc vu que le film parle des langues, je me suis dit, le langage binaire, ou plutôt système binaire, c'est un peu la langue... Langage universel ? Un peu une espèce de langage universel qu'on utilise, mais que tout le monde utilise. Avec tout est codé. On peut tout coder à travers... C'est un peu pour unifier... C'est une espèce de... Je trouvais ça assez marrant que ce soit après le
voilà, les 0 et 1 se transforment en espèce de tour de Babel et que ce soit un peu la... C'était la prochaine question, c'est ça ? Non, pas du tout, mais on y avait pensé, c'est pour ça. Et du coup, ouais, voilà, que ça soit une espèce de langage universel où tout le monde se comprend, mais qui est en même temps à la fois un peu fragile et qui est un peu, voilà, on passe du blanc au noir, ça fait un côté un peu Matrix et tout. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment dans la réalisation de votre projet qui vous est particulièrement marqué ? Ouais. C'est bah en même temps je spoil un petit peu quoi du coup Mais on est curieux. Ouais bah c'est un lien avec la tour de Babel et en fait j'ai le souvenir pendant la réalisation du coup donc j'avais fait une première version et j'avais une deadline genre c'était ric-rac pour terminer le film et du coup je travaillais avec le sound designer en parallèle donc on bossait de nuit parce que la deadline c'était très bientôt. Et j'ai souvenir de recevoir le son qu'il m'avait proposé, genre vers, il était 4h du mat. J'étais en train de bosser, de lancer des rendus et tout. Je reçois le son et j'assemble son et image pour la première fois. Et là, j'explose. Je fais « C'est génial !» et tout. Et sauf qu'il était 4h du mat et je vis en coloc. Et du coup, je n'ai pas du tout pensé que, en fait, j'avais sans doute... mais je n'ai absolument pas pensé à ça. L'émotion a pris le dessus. Mais ouais, et c'était, et c'est dans la réalisation d'un film, c'est des moments comme ça qui sont absolument géniaux. Donc voilà, c'est au moment où la tour de Babel... Voilà, je ne dis rien. Mais c'est avec la tour... Ouais, c'est un moment où ça m'a beaucoup plu. Et bien, pour revenir sur la tour de Babel, donc comme vous avez dit, c'est notre prochaine question. Et donc, on a choisi un plan dans votre court-métrage et on voulait que vous le commentiez, qu'est-ce qu'il signifiait pour vous. Justement, pour préciser ce que vous venez donc de dire. Donc, je commente. Donc là, bah, voilà, là, j'étais en train de crier sur cette séquence-là. C'est génial ! À 4h du mat'. parce que ouais, le son il a fait un travail extraordinaire je trouve en termes d'intensité et donc voilà en fait on était sur fond noir et puis là on repasse au blanc comme si une espèce de force naturelle avait remis les choses en ordre et de là va succéder une espèce de bah voilà toutes les petites bestioles qui constituaient le film tombent en pluie et de là naît un déluge va voilà que je trouve j'étais assez content du résultat parce que ça donnait une espèce de peinture abstraite à la fin très poétique oui ouais et surtout sur la poésie en fait votre je vois vraiment ce film comme de la poésie plutôt filmé qu'une, ouais c'est que, ouais de la ouais poésie visuelle poésie animée je sais super pas ou une allégorie un peu ouais. Parce que le vent aussi, des fois je me dis, bah, je sais pas, quand je pense au vent dans le film, c'est un peu comme le temps qui passe, irrémédiable, implacable, et comme le vent dans le film, c'est, il tabasse tout le temps. Quoi, et puis des fois, le vent ralentit, l'histoire, le temps se fige, mais l'histoire se fige. Ouais, ça a une dimension visuelle assez, enfin c'est esthétique quand même. Ouais. Et c'est agréable à regarder. Cool. Ouais, moi j'ai bien aimé. Cool aussi. Cool. Très bien. Bon, et bien je crois qu'on a fait le tour. Eh ben merci beaucoup. Merci pour à vous. Questions. Merci beaucoup.